20 ans, de 1907 à 1945, Maurice Sachs était en dehors de tous les rails, de toutes les contraintes qu'on peut imaginer, et il a suivi des parcours incroyables et paradoxaux, comme vous le montrez dans votre livre, et c'est qu'il aurait été anarchiste. Alors, anarchiste au sens politique, drapeau noir. Oui, mais je pense que, comme disait Gabriel Matzneff, je pense que tout artiste, né de ce nom, est anarchiste en lui-même, en soi. On ne peut pas être déférent, et, enfin, à mon sens, hein, parce qu'il y a une forme de résistance qui fait qu'on accouche de quelque chose, qu'on devient nous-mêmes, être soi-même, accepter d'être soi-même. C'est souvent contre les autres. Ça commence contre la famille, mais après, ça commence, c'est contre la société elle-même. Dès lors qu'on commence à combiner et à frayer avec le pouvoir ou même la société telle qu'elle fonctionne, il la faut. Mais que les artistes soient dans la société, déjà pour moi c'est contre nature, ça ne va pas. Et pourtant, voilà. Maurice Sachs, il avait un goût pour l'autorité, même poussé à un point extrême, puisqu'il était un admiratif. Il était admiratif du régime nazi à un moment. Alors, je pense que c'est plus par esthétique que pour l'autorité. Il n'a pas été admiratif, c'est un pragmatique, c'est un opportuniste. Il ne savait pas quoi faire, en gros. Il a choisi d'aller à Hambourg et d'ensuite proposer ses services à la Gestapo, pas tellement par idéologie. C'est ça qui est incroyable chez lui. C'est parce que, pour plus de confort, parce qu'il avait froid ou parce qu'il voulait mieux manger, mieux boire. Ils étaient nombreux à voir, évidemment, il y avait l'ordre qui est assez esthétique en soi, et puis il y a aussi ces beaux Allemands. Parfois, ça n'allait pas tellement plus loin que ça. Hein. Vraiment, c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est-à-dire qu'il. Finalement, ce qui préside à ses choix, c'est un peu une sorte de beauté ou se satisfaire au sens du plaisir. C'est un jouisseur. Et c'est pour ça qu'il a tout gâché dans sa vie, ou pas, d'ailleurs, c'est selon, hein, parce que. Mais en tout cas, qu'il a abandonné une certaine colonne vertébrale, c'est. Je crois qu'il avait épousé aux États-Unis la fille d'un pasteur. Et il s'est enfui avec le frère avec son beau-frère, c'est pas. Il pouvait pas coucher avec tout le monde, il couchait avec le beau-frère. Mais ça, c'est ensuite qu'il a connu le beau-frère. Mais je sais même pas si c'était son beau-frère, c'était pas son beau-frère. C'était un type qu'il a rencontré à Los Angeles chez une amie à lui, et il est tombé fou amoureux de lui, Henry Goebbels. Et ensuite, ils se sont échappés, il a laissé sa femme, sa pauvre femme, qui est restée aux États-Unis, il a emmené Henry à Paris, et Henry a déchanté. Parce que du coup, ils étaient pauvres et il a connu Maurice Sachs de plus près. Quand on s'approche d'un peu trop près des êtres, on est forcément un peu déçu pour rester un petit peu en retrait. Donc voilà. J'ai été frappé par l'une des femmes qui intervient dans votre livre. C'est le témoignage naturellement de Violette Leduc, qui a été follement amoureuse de Sachs. Il en a fait un écrivain. Il a vécu avec elle en France pendant la guerre, oui. Ils sont partis quelques mois enceintes, et elle était folle de lui, et c'est lui qui lui a dit, mais au lieu de pleurer tout le temps, pleurnicher, parce qu'elle était très très auto-apitoyée, et puis elle était un peu, je pense, masochiste dans l'âme, elle ne désirait que les gens qu'il ne l'aimait pas, mais le truc c'est que lui aussi quelque part, il aimait bien qu'on ne l'aime pas, à la fois il aimait bien séduire, mais dès que ça, on rentrait dans le, à mon sens, hein, il faisait partie de ces gens qui, oui, je pense, et donc je pense qu'il se voyait trop en elle, il y avait quelque chose qu'il détestait chez lui, qu'il voyait en elle et qu'il ne supportait pas, donc du coup, mais pour le coup il lui a dit, plutôt que de pleurer, enfin, c'est comme ça que je le vois, mais ça, c'est vrai que c'est lui qui lui a conseillé de se mettre à la littérature et d'écrire, et il a bien fait. Parce que du coup, elle est assez féroce avec elle-même, assez féroce avec sa vie, il y avait de quoi faire.
Elle avait un côté bon vivant. En fait, moi, j'ai dîné une fois avec elle, je ne la connaissais pas bien, mais j'ai une fois dîné avec elle chez les amis communs. Mmh. Elle avait un bon coup de fourchette, une bonne descente. Hein. Ah oui, ça. Elle pleurnichait peut-être, mais elle n'avait pas l'appétit, n'est-ce pas? De toute façon, c'est avec des larmes qu'on fait de la littérature, donc c'est pour ça aussi qu'elle a alimenté le moulin. Mais c'était génial. Quand j'ai connu l'idée, c'était une très vieille dame. Oui. Parce que quand elle est beaucoup, elle a connu ça avant-guerre, donc elle devait être extrêmement jeune. Oui, ben oui, oui. Non, mais elle s'est amourachée de Genet, elle s'est amourachée de toutes les personnes qui ne pouvaient pas coucher avec elle, finalement. Elle était amourachée de Simone de Beauvoir qui l'avait beaucoup aidée, Évidemment, elle avait ce truc qui est vraiment un problème, c'est qu'elle était quand même assez laide. Donc, non, vous ne l'aviez pas trouvée... Enfin, elle se trouvait laide et lui, il l'a trouvée très laide. C'est vrai, elle était laide, d'accord. Non mais c'est quand même le problème dans la manière dont on se construit. Elle avait aussi beaucoup de charme, elle avait beaucoup de facilité. Alors on développe. Vous savez, il y a des actrices qui pensent à Marie-Belle, des grandes actrices qui n'ont jamais été belles mais qui sont beaucoup plus intéressantes. Non mais même Edith Piaf, voilà. Non, je ne dis pas que c'est foutu quand on est... Il vaut mieux être joli que vilain, mais enfin... Ah ben ça... Non mais c'est vrai que c'est le centre de son œuvre. Oui, c'est ça, c'est le... La haine de soi, l'image, ils avaient ça en commun tous les deux finalement. Donc de la regarder, c'était se regarder lui-même et je pense qu'il se hissait. Mais dans le sabbat quand même, il donne, c'est quand même un livre assez dionysiaque, d'inspiration. Ah oui, tout à fait. Et il aime, c'est un homme qui, peut-être qu'il se sentait pas joli, mais enfin il aimait vivre, Totalement. Il était moins plein que... L'univers est quand même plus sombre. Plus sombre, beaucoup plus sombre. Plus solitaire. Parce que lui, il était beaucoup plus frivole. C'est sa chance et sa perte. Mais pour sa vie, ça a été sa chance, c'est d'être totalement frivole. C'est-à-dire que rien ne lui posait problème. Quoi. Il allait là où ça lui faisait plaisir. Il était léger, il était spirituel. Je pense que Violette Le Duc, vous l'avez apparemment connue, donc elle était... J'ai dîné une fois avec elle. Elle était déjà un peu là. C'était peu de temps avant sa mort, mais enfin... Elle était tout à fait remarquable, mais elle était très bien. Qui a écrit de très beaux livres en plus. L'Avatar est impressionnant. Mais Sax, comme vous, Gabriel Matzneff, étaient tous les deux des écrivains un peu sulfureux. Et la preuve même, c'est au début du livre, vous expliquez. Vous préparez ce livre et puis tout d'un coup, vous en voulez un ordre religieux. Ah oui, j'ai fait allusion à la préface. C'est que, parce que ça vraiment très intéressant, vous le direz, mais en fait, simplement, j'ai dîné avec je partais pour Naples pour mettre au point le manuscrit de ce livre, et la veille, par pure coïncidence, je suis invité au restaurant par un de mes vieux amis qui est PDG d'une grande maison d'édition catholique. Je peux dire le nom, puisque nous sommes entre nous, je ne l'ai pas dit dans mon livre, Charlie Beckatienne, mais c'est l'édition du Cercle. Grande maison, qui a la collection des sources chrétiennes, qui est une des grandes collections du XXe siècle de France, mais qui fait honneur à l'édition française. C'est comme les classiques grecs, latins, païens, je trouve belles lettres, c'est une grande collection. Et cet ami me dit, je ne sais pas, moi je ne peux encore proposer. Mon éditeur principal, c'est Gallimard, mais je dis non, simplement, je voudrais qu'il paraisse assez vite, parce qu'il y a des textes polémiques, notamment il y a des textes intemporels, mais aussi il y a des pages polémiques auxquelles vous cherchez, vous faisiez allusion, et j'aimerais bien que ça soit paru avant les élections, parce que c'est plus amusant de regarder quelqu'un qui est à l'Élysée, un monsieur qui est redevenu ce qu'il aurait été, de jamais cesser d'être, c'est-à-dire sous préfet en Corrèze. Donc, et il m'a dit, mais moi je peux. Et alors, il me dit, tu pars à Naples, quand tu reviens, tu as un avaloir très important, tu auras ton contrat. Donc, effectivement, je rentre de Naples après 3 semaines et je trouve le contrat que je signe, l'avaloir que j'empoche. Et tout se passe bien, la maison d'édition fait un grand déjeuner, les représentants, c'est amusant pour la vie littéraire, c'est plutôt pour les jeunes gens qui sont là, les jeunes filles, sachez à quoi vous devez vous attendre. Et donc, non seulement les libraires, les représentants de cette maison d'édition présentent le livre au libraire, mais la maison d'édition annonce dans Libre Hebdo, qui est le journal des revues des professionnels, libraires et l'application pour le 15 octobre.
Et bon, là-dessus, je pars à Trieste. Je pars 3 jours à Trieste parce qu'il y avait une jeune étudiante qui faisait sa thèse de là au Rayma sur moi. Le lieu, c'était Trieste. Je suis allé l'écouter, la soutenir moralement dans cette épreuve. Elle a été vraiment mention, etc. Et puis, c'était à Trieste. On refuse jamais d'aller à Trieste. Et à mon retour, j'ai pu dire que c'était la catastrophe. Alors, ces messieurs du CERF m'ont dit, mais c'est épouvantable, parce qu'on devait se revoir pour le texte du quatrain de couverture. J'avais écrit à Trieste, je voulais leur montrer ce que j'avais fait, s'ils avaient une remarque à faire. Et ils m'ont dit, c'est épouvantable, parce que l'ordre des Dominicains, quand ils ont su que nous allions publier un livre signé Max Neff, ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Le livre est très beau, c'est pas la question, mais il faudrait qu'il publie sous un pseudonyme, c'est son nom, etc. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pas les Dominicains, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes une maison d'inspiration catholique, c'est les Dominicains qui l'ont créé, mais enfin, cet ami, le PDG, il dit, oui, mais c'est notre actionnaire, c'est notre principal actionnaire. C'est même peut-être l'unique actionnaire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était le principal. Alors cet ordre dominicain qui ne cesse de prêcher la pauvreté, n'est-ce pas, etc., faisait à faire rompre un contrat, en appuyant sur sa position financière de principal actionnaire, n'est-ce pas, c'est quand même, moi j'ai lu l'Évangile comme tout le monde, j'ai jamais vu des trucs comme ça dans l'Évangile, c'est pas le genre de conseil que donne Jésus-Christ assez fidèle. Donc voilà, un de mes amis qui est un grand avocat m'a dit, mais c'est le délit de nom, n'est-ce pas? Il m'a dit, mais c'est incroyable, parce qu'il n'y a qu'un éditeur refuse un manuscrit qu'il trouve trop scandaleux, etc. Ça arrive, hein, ça arrive d'attendre, c'est pour eux, c'est normal qu'un éditeur... Mais là, un manuscrit qu'on est venu vous demander, qui vous a enthousiasmé, que vous avez signé le contrat, vous êtes, et maintenant tout cassé à la suite des demandes dominicains, des héritiers Simonon de Montfort, n'est-ce pas, les massacreurs d'Albigeois. Et j'explique d'ailleurs dans la préface que chasser le naturel, il revient à gagner le galop. C'est toujours Simon de Montfort qui boit le bout du nez. Mais moi, je ne suis pas Albigeois, je n'ai pas envie de me laisser brûler du tout. Donc, à ce moment-là, bon, bref, ça me fait un certain bruit dans l'enderlo littéraire. Et 15 jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes amis qui est Manuel Carcassonne, le PDG de Stock, et qui m'a téléphoné, il m'a dit Gabriel, j'ai su cette histoire incroyable du cerf. Je serais honoré et heureux, typiquement, je serais fier et heureux de publier ton livre. Ben, j'ai dit, allons-y, alléluia, et j'ai signé un deuxième contrat. Donc j'ai signé, du coup, alors le CERF, qui était terrorisé à l'idée que je fasse un procès, m'a redonné la fin de mon avaloir. J'ai eu un autre avaloir chez Stock, donc jamais un livre ne. Ce qui fait que mon ami Hergé, vous savez que j'étais très lié à l'amitié, ben, vous savez. Certains, ceux qui m'ont lu dans la salle, savent que j'étais très lié d'amitié avec Hergé, le père de Tintin. Et Hergé m'a enseigné, c'était maman, j'étais le voir à Bruxelles, j'étais très malheureux parce que j'étais en train de divorcer de ma femme. Et ça s'est passé, c'était assez douloureux. Il y a des divorces qui ne se passent pas tranquillement, mais là c'était très douloureux. Et il m'a enseigné ce principe taoïste. Il était plongé dans le taoïsme, Hergé à l'époque. Il m'a dit que d'un mal réel ou apparent, surgit toujours un bien. Et on a parlé de ça longuement, etc. Et c'est vrai, j'ai, depuis qu'il me l'a enseigné, je vérifie que c'est ça. Il y a toujours, au fond du malheur, il y a toujours quelque chose, la providence, ou Dieu, ou la nature, je ne sais qui, votre ange gardien, ou bien votre génie, comme disaient les païens, votre génie protecteur, qui correspond un peu près à l'ange gardien. Il y a des anges dans certaines religions, il y a des génies dans d'autres. L'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un comme ça, avec des petites ailes, qui vous volette autour, qui vous protège, et qui vous fait ressurgir, ressusciter. Voilà. Donc, et finalement, de cette histoire, je suis enchanté, je suis enchanté de finalement la façon dont ça s'est terminé. Oui, c'est vrai, donc je peux t'essuffler, voilà, bah, c'est ça, les images, j'ai choqué ces bons dominicains qui évidemment sont des parents de vertu, n'est-ce pas, toutes les vertus reposent sur leur robe blanche, n'est-ce pas, c'est toujours des robes immaculées. Donc moi, j'étais le vilain petit canard, n'est-ce pas. J'ai essayé de voir si ce principe taoïste, d'un mal sort toujours un bien, pouvait s'appliquer à la vie atroce de votre héros, si je puis dire comme ça. La nouvelle atroce
en ce sens que cet homme-là, né juif, est devenu au fil du temps catholique,